Alors, monsieur Claude Ferreri, nous sommes aujourd'hui dans votre joli nouveau débit ici à Nice. Et je vous laisse la parole de vous présenter. Alors, moi, je suis monsieur Ferreri et Claude. J'ai acheté ce tabac il y a 4 ans. Bien évidemment, comme vous le sentez, comme vous allez le voir, il n'était pas comme ça. Grâce à Techlin Design et à son équipe extraordinaire, parce que le mot n'est pas fort, n'est pas faible, hein, extraordinaire, nous avons réussi une transformation digne de ce nom. Alors, c'est évident qu'il n'était pas comme ça. Il y avait les caisses qui étaient sur le côté gauche à l'entrée, le côté droit à l'entrée, pardon, et nous avons réussi, grâce à cette transformation, à pas pousser les murs, mais à avoir une clarté, une visibilité du tabac qui est complètement différente de ce que l'on avait. Et ça, c'était très intéressant, et encore une fois, grâce au conseil de Techlin Design. Alors, je vais vous parler un petit peu du linéaire, bien sûr. C'est un linéaire d'abord qui est rétro-éclairé, et ça, c'était une primeur chez moi. Je voulais absolument que les clients aient un visuel rétro-éclairé, d'une. De deux, ce ne sont plus des rouleaux qui nous sont montés là sur des ressorts. Ça, c'est très très important aussi. Et ce nouveau procédé là, pour les pots, qui est très très bien, parce que vous voyez, quand on prend un pot, un autre pot arrive, et ça, c'est magnifique. Et vous avez ici la possibilité de stocker vos pots pour éviter d'aller à chaque coup en réserve. Et ça, j'ai trouvé ça pas trop mal quand même pour travailler. Alors, ici, il faut voir ici que nous avons une réserve, nous avons un bandeau, on l'a demandé à Techlin Design. Techlin Design nous a mis en place ce bandeau, rétro-éclairé aussi, et nous pouvons ici stocker nos cartouches, comme vous le voyez. Donc les détails font la différence dans l'agencement, parce que sûrement vous avez contacté aussi d'autres agenceurs. Complètement, nous avons contacté 3 agenceurs et nous sommes allés voir les réalisations de ces 3 agenceurs. Et quand nous avons vu la réalisation Techlin Design, bien sûr, enfin pour ma part, je suis un petit peu du métier, donc les détails, c'est très important pour moi. Je suis un peu, pas perfectionniste, mais bon voilà, il faut que ça soit quand même bien fait. C'est tout à fait normal, on paye, on veut une prestation derrière. Et cette prestation chez Techlin Design, nous l'avons trouvée. Et c'est pour ça que j'ai signé avec eux. Aussi, le service d'installation. Des techniciens formidables. Très bien. Franchement, des techniciens formidables. Une assistance commerciale sur laquelle on peut se reposer, on peut tout lui dire. Et croyez-moi qu'on en a des choses à dire quand on fait un aménagement de tabac, parce que ce n'est pas simple. On a toujours des doutes. Et elle est là justement pour nous aiguiller, pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr que la décision finale nous appartient. Hein? Mais si elle n'était pas là, eh ben, croyez-moi. Alors je remercie encore une fois Julia et toute son équipe. Ah super, voilà. Merci. Une dernière question. Quelle est la partie la plus jolie maintenant de votre shop? Parce que je sais que vous avez eu une mur là-bas et tout ça. Le shop a changé beaucoup. Ça semble alors, beaucoup plus grand maintenant, non? Peut-être crois... peut-être se déplacer un petit peu. Oui, oui. Voilà. Ici la presse, zone illiquide, papeterie. Voilà, ici vous avez la presse. Oui. Donc la presse est un gros morceau chez nous quand même. Oui. Hein, nous avons un linéaire de 80 mètres linéaires à peu près. Donc c'est important. Alors, encore une fois, c'est pas une partie de la boutique qui a changé. C'est toute la boutique qui a changé. Parce que quand les gens rentrent, pour vous donner simplement une petite anecdote, quand on a ouvert, il y a des clients qui rentraient et qui ressortaient en disant « c'est pas ici, c'est pas possible, c'est pas ici ». Eh bien oui, c'est ici, donc on les rappelait en disant « non mais venez, c'est ici ». Et ça quand même, et puis les compliments que nous avons eus, parce que la clientèle quand même est formidable. On a une clientèle ici dans ce quartier qui est formidable et qui nous a dit « effectivement, vous avez fait un tabac, on ne pensait pas que des travaux allaient transformer ce tabac ». Comme vous l'avez transformé. Et voilà. Et grâce, bien sûr, encore une fois, à Techlin Design.
mauvaises conditions. Hein, il faut savoir qu'on a tombé un mur mètre quand même, parce que je ne sais pas si vous étiez venu avant la consommation. Non. Non. Voilà, ici il y avait un mur mètre, donc on a tombé le mur mètre avec tout ce que ça, cela implique. C'est compliqué quand même de faire tomber un mur mètre avec les autorisations. Et le conseil, c'est du Techna Design. Voilà, et tous ces conseils-là pour l'aménagement, on est passé par Techna Design. Et là, croyez-moi, ça, moi j'en ai fait 2-3 d'aménageurs. On n'a pas eu les conseils que nous avons eu avec cette société-là, qui est Techna Design. Et là, les changements, ils ont été faits quand? Les changements, il y a un mois. Vous sentez qu'il y a plus de clients ou... Ah, on sent que le client reste plus volontiers dans le magasin, qu'il tourne, qu'il regarde, qu'il achète d'autres produits. Ça, oui, on le sent. Et ça, c'est important pour nous. Nous avons fait venir les aménageurs, et entre autres, Techna Design, avec lequel nous avons transformé complètement ce tabac. Et ça, c'est grâce peut-être à Paolo et toute son équipe. Je remercie, entre parenthèses, Julia, madame ici, présente, que vous ne voyez pas, qui est derrière, hein, mais vous ne voyez pas, monsieur Paolo et toute son équipe de techniciens qui ont super bien travaillé. Parce que, encore une fois, comme je vous le disais, d'aménager c'est bien, mais de respecter les délais, c'est extraordinaire. En 2 jours, ils nous ont sorti cette transformation. Extraordinaire. Alors que j'ai entendu, j'ai ouï dire, qu'il y a des transformations qui ne se sont pas passées comme ça. Alors bravo Techna Design encore une fois. Pensez du standard, monsieur Dard. Moi, je trouve. Alors, il est formidable, il a été très très bien agencé maintenant. Et puis, quoi vous dire. Mais en plus, tout le monde est gentil dans ce tabac, on a envie d'y aller. Oh, d'accord, ok. Voilà. Entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Oui, parce que déjà, on se croise moins. Oui, bien sûr. Vous voyez, les caisses étaient à droite en rentrant, donc c'était compliqué. On a connu des gens beaucoup moins sympathiques. Ouais, c'est sûr. C'est parfait. Puis on peut faire le tour. C'est beaucoup plus convivial, on va dire. C'est plus convivial. C'est joli aussi, ça vous plaît, le design. Nous, ça nous plaît. C'est notre tabac de quartier. Il y a un patron qui est toujours souriant à la tête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça a été grâce à une société qui s'appelle Techna Design. Voilà. Donc, et ça, c'est important. C'est une société italienne, internationale, européenne. Je trouve que vous avez pris parti parfaitement de votre... Vous aviez un poteau, là. Alors, on a optimisé l'espace. Vous avez optimisé, exactement. Ça a été compliqué, quand même. Ah, oui, ça a été compliqué, mais grâce au conseil de Techna Design, encore une fois, on a pu réaliser cette chose. Parce que j'avais du mal à imaginer comment vous alliez vous en sortir. Et voilà. C'est les professionnels. Vous auriez pu tout simplement. Ça se voit. On en a mis 2 d'IPM. Merci, c'est gentil. Non, c'est vrai.